Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Laurent Wauquiez, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes député maire UMP du Puy-en-Velay, vous êtes aussi secrétaire général de l'UMP. Là vous venez d'annoncer votre candidature au régional. Est-ce que vous avez envie de dire merci à François Hollande pour cette réforme, cette fusion des régions ? Bon, d'abord merci de m'inviter. En plus je trouve assez sympathique de faire un direct depuis Confluence dans les sites du Doc 40. Vous voulez lui dire merci ou pas alors ? Alors, est-ce que j'ai envie de dire merci ? Cette réforme ? Je vais être simple parce que j'aime pas la critique totale. Je pense que dans les fusions de régions qui ont été faites, il y a eu des vraies stupidités, par exemple en Alsace. Je pense par contre que le rapprochement entre Rhône-Alpes et Auvergne a vraiment du sens. C'est une belle région, c'est une grande région, mais ce que je voudrais, c'est en faire la région leader en France. Je voudrais que ce soit une région modèle et qu'on puisse se dire, voilà, c'est ici que ça se passe. Mais est-ce que vous lui dites merci, François Hollande, de m'avoir enfin permis d'atterrir à Lyon sans passer pour le parachuté de service ? Parce que c'est quand même une idée que vous avez dans la tête depuis longtemps. C'était ça votre question, c'est ça ? Non, je pense surtout, enfin, là où je suis, mais le sujet n'est pas de dire merci, là où je pense que c'est une bonne décision, c'est le rapprochement entre les deux régions. Voilà, c'est tout. Et pour vous, ça fait quand même longtemps que vous cherchiez ce terrain d'atterrissage sur l'agglomération lyonnaise. Ça faisait peut-être longtemps que vous en parliez. Attention, je ne suis pas candidat à Lyon, je ne suis pas candidat à l'agglomération lyonnaise. Je suis candidat pour défendre Lyon au sein de la région. Je suis candidat pour que la région avance et qu'elle s'occupe de tous les territoires. Je suis candidat pour apporter du renouvellement et une nouvelle dynamique à cette région, dont aujourd'hui le seul symbole, c'est le siège qui est derrière nous et qui a coûté 140 millions d'euros parce qu'ils se sont construits un palais. Voilà. Et ça, je veux mettre un coup de pied dans cette fourmilière-là parce qu'elle ne me va pas. Après, sans vouloir défendre ce choix qui avait été fait, les anciens locaux étaient à Charbonnières, difficilement accessibles. Ça ne permettait pas nécessairement de faire vivre la région. Est-ce qu'une région, une grande région, ne se doit pas finalement d'être aussi accessible à tous ? Je peux vous poser une question ? Non. Alors je vais essayer d'apporter une réponse. Jean-Jacques Carin avait promis quoi ? Il avait promis que le siège ne coûterait rien. Aujourd'hui, c'est vrai ou non ? Il a tenu sa promesse ? Ça a coûté 140 millions d'euros. Ce siège, il est opérationnel ou à peine fait, ils doivent continuer à louer des locaux autour parce qu'il n'est même pas assez grand. Pourquoi tout ça? Est-ce que les téléspectateurs qui nous regardent, leur première attente, c'est un palais de région ou une région qui aide pour trouver un poste en apprentissage? Une région qui puisse être au soutien quand vous avez vos enfants qui font des études? Une région qui s'occupe correctement du TER quand vous le prenez le matin pour aller travailler? C'est pas ça qui est attendu? Moi, je pense que c'est ça, une région. Je ne pense pas que c'est les dépenses qui sont faites sur des logos de communicants. Je pense pas sur que c'est... Sur TER, il y a quand même eu des choses qui se sont passées et qui sont plutôt bien. Le matériel a été renouvelé, le cadencement fonctionne à peu près correctement. La région n'a pas failli sur tout, si ? Non, il y a des choses qui ont bien marché. Mais ce que je vois surtout, c'est que les dépenses administratives ont beaucoup augmenté. La dette a été multipliée par 4. La dette. C'est-à-dire que le fardeau que laisse la région en 10 ans a été multiplié par 4. C'est de la folie. Les impôts, on peut juger sur les impôts. Vous prenez votre carte grise. Vous regardez ce qu'elle vous coûtait en cheval fiscal il y a 10 ans et ce qu'elle coûte aujourd'hui. 43 euros aujourd'hui par cheval fiscal, c'était 28 euros il y a 10 ans. Alors vous allez me dire, c'est un peu facile à dire. Et vous, vous avez fait quoi ? Bah, vous l'avez évoqué, je suis maire du Puy-en-Velay, on peut me juger sur mes actes. Au Puy-en-Velay, ça fait 3 ans que je baisse les taux d'impôts. Ce que j'ai fait dans ma ville, je pourrais le faire à la région. Parce que j'ai la même approche. Un élu, ça doit bien gérer l'argent public, ça ne doit pas le gaspiller. Ça, c'est mon état d'esprit. Comment déjà vous faites des économies en arrivant à la région ? Puisque vous dénoncez celles qui n'ont pas été faites, qu'est-ce que vous faites concrètement pour générer des économies, peut-être pas la première année, mais à partir de la deuxième année ? D'abord, la première chose, c'est qu'on a empilé les strates administratives. Il y a des usines à gaz partout, vous avez des agences dans tous les sens. Première chose, on fusionne tout ça. Usines à gaz, globalement, viennent aussi du fait que l'État a beaucoup transféré de compétences et les salariés qui allaient avec. Il n'y a aucune raison d'avoir une agence du tourisme qui soit autonome. Vous n'avez aucune raison d'avoir des agences d'investissement qui soient autonomes. Vous voulez mettre de l'argent sur le moindre territoire. Ils ont mis des fonctionnaires de partout. Ce qui fait que quand on met 1 euro, il y a 50 centimes qui disparaît. 50 centimes dans la dépense juste d'instruction des dossiers. C'est n'importe quoi. La région, ça doit être une collectivité souple, légère, qui met son argent pour investir et où chaque euro dépensé doit être un euro utile. C'est cet état d'esprit qu'il faut porter. Je vais prendre un deuxième exemple. Les logos. Ils ont dépensé 2,4 millions d'euros juste pour changer. C'est une vieille histoire, ça avait déjà fait la campagne précédente. Mais vous trouvez que c'est normal pour autant ? On entend cette histoire-là. Et vous savez quoi ? Malheureusement, cette histoire, ils sont en train de la refaire. Ils sont en train de réfléchir à un nouveau logo pour la région
qui va à nouveau coûter une fortune et qui va aboutir à nouveau à ce que les seuls qui vont s'engraisser, c'est les cabinets de communicants. Je ne sais pas si pour vous, c'est une vieille histoire, mais ce qui est sûr, c'est que sur la feuille d'impôt, ça se voit. Ça, je veux que ça change. En revanche, qu'est-ce que j'attends, moi? Je voudrais que la région soit leader en matière d'apprentissage. Que nos jeunes, aussi bien dans les écoles d'ingénieurs que les écoles de commerce, qu'à la fac, puissent bénéficier de formations en apprentissage qui permettent à la fois de financer les études et de trouver un emploi plus facilement. Je voudrais que des grands dossiers qui sont attendus, les grands dossiers d'infrastructure de notre région, qui serviront Lyon aussi et qui aideront Lyon à se fortifier, sortent, alors que ça attend depuis trop longtemps. Vous parlez quoi, A45? La 45, par exemple. C'est quand même assez décrié par les élus. Hein. Il n'y a pas un consensus politique autour de cette autoroute-là. Et puis, il faudra aussi que l'État la finance. La région ne va pas la financer seule et l'État, pour l'instant, n'a pas l'argent ni l'envie de la financer. Promettre la 45 quand vous n'aurez pas les moyens de la financer, ni même le pouvoir d'autoriser le début des travaux, est-ce que ce n'est pas un peu de la démagogie? Voyez précisément, ce qui m'énerve quand vous dites ça, c'est que c'est des élus qui ne servent plus à rien. Si quand vous vous occupez de la région Rhône-Alpes... Un élu qui est contre ne sert pas forcément à rien. Il peut défendre ses idées. Vous me dites, ouais, en gros... La région a regardé spectatrice la 45 et puis c'est l'État qui décide. Vous êtes à la tête de Rhône-Alpes? Vous vous occupez de la grande région Rhône-Alpes-Auvergne? Vous n'êtes même pas capable de sortir un projet qui fait la liaison entre Lyon et Saint-Étienne? Mais alors à quoi vous servez? Vous vous occupez de Rhône-Alpes-Auvergne? Vous n'êtes même pas capable de faire avancer? Vous promettez là, en regardant la caméra, de dire « Moi, président de région, la 45 se fera, je la paierai, je créerai le consensus politique autour de ce tracé ?» Moi, je ne fais pas des promesses en l'air. La RN 88, qui était un chantier routier chez moi, où ça attendait depuis 30 ans. Je l'ai sorti et il s'est réalisé. Et vous pouvez venir avec moi, vous viendrez vérifier sur le terrain, ce chantier il est en route. Des élus c'est fait pour se battre. Si vous avez des élus qui sont spectateurs et qui disent non c'est pas de ma faute, qui se battent entre eux, vous connaissez très bien les combats qu'il y a aujourd'hui entre les Verts, le PS, tout le monde se tape dessus, même entre Kéran et Colomb qui sont pourtant dans la même famille politique. Faut pas se battre contre la métropole de Lyon. Bah, l'UMP, vous en connaissez quand même un rayon sur les guerres internes. Hein. C'est bien pour ça que j'aimerais bien éviter. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est bien pour ça que j'aimerais éviter ça. C'est bien pour ça aussi que vous départagez, vous et Michel Barnier. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, la dynamique qu'il y a eu, c'est une dynamique commune. Là, derrière moi, vous avez des élus de toute la région. J'ai noté que dans la présentation des élus, il y avait deux départements que vous n'aviez pas cités, la Savoie, la Haute-Savoie. La Haute-Savoie, j'y vais tout à l'heure. La quasi-totalité des parlementaires de Haute-Savoie me soutiennent. Mais si vous venez avec moi sur le terrain, ça me fera plaisir. On va dans une entreprise de décolletage, qui est une entreprise que j'avais soutenue il y a 4 ans. Vous parliez d'engagement, j'avais pris l'engagement de les aider et qui resterait. Ils y sont toujours. Ils se sont même développés, ils ont investi. Ça, pour moi, c'est des actes. Et je crois à ça. Et ce que je demande, c'est que vous ne me jugiez pas sur mes paroles, mais que vous me jugiez sur mes actes. Quand je dis qu'il ne faut pas augmenter la dépense publique et qu'il faut baisser les impôts, bah regardez ce que j'ai fait dans ma ville. Au moins, ça vous permettra d'émettre un jugement et pas juste d'être dans une posture les uns et les autres. On peut juger sur les actes. Vous pouvez juger des élus sur les actes. Quand vous avez des vice-présidents de région qui ont fait le tour de la planète avec des billets d'avion qui ont coûté des fortunes, on peut les juger sur les actes. Quand vous avez des élus qui baissent les impôts, vous pouvez les juger sur les actes. Je crois à ça. Et je pense que le renouvellement de la politique, il se fera par ça. On évoquait Michel Barnier. Comment vous départagez est-ce que ça doit passer par une primaire? Est-ce que ça doit passer par un vote interne des militants? Est-ce que ça doit passer par l'UMP à Paris un peu le fait du roi? Bon, sachant que vous êtes quand même secrétaire général de l'UMP, ce qui est une fonction pas neutre, que Michel Barnier n'occupe pas de telles fonctions. Et pour vous, quel est le meilleur mode de désignation du candidat? Le terrain. Voilà, je suis un élu terrain, je crois à ça. Et le terrain, c'est tous ceux qui sont là, c'est-à-dire des maires. Des maires qui ont gagné lors des dernières élections parce que les habitants leur ont fait confiance. Des députés, des sénateurs qui incarnent notre territoire. Des acteurs de terrain économiques, associatifs qui ont pris parti pour moi, pour nous, qui sont dans une logique d'équipe. Et la facilité, hein, vous l'avez dit, ce serait pour moi de dire bah, c'est Paris qui décide et puis c'est eux qui vont décider à notre place. Non, c'est Ronald qui décide. Mais est-ce que la légitimité ne serait pas de faire voter les militants Rhône-Alpes Auvergne? C'est tout à fait possible. Mais vous, votre priorité, votre choix premier, c'est plutôt Paris, la commission traditionnellement? Non, pas du tout. Non. Ma logique à moi, c'est le terrain qui décide, c'est les élus de terrain, ça peut être les adhérents de notre famille politique qui décident, c'est ça ma priorité. Je déteste quand c'est Paris qui décide à notre place. On est suffisamment grand, on aime suffisamment notre territoire, c'est pas Paris qui décide pour moi, pas à Lyon. Vous avez expliqué vouloir vous battre pour cette région. Pour se battre, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir du temps. Vous doutez de mon énergie? Il faut avoir du temps. Est-ce que vous courez à pied?
Je suis marathonien. J'aime bien la course à pied. Et de l'énergie, j'en ai. Rassurez-vous. Chacun fait ce qu'il veut ces week-ends. Tout ça pour dire qu'il faut du temps aussi. Vous avez expliqué que si vous étiez élu, vous abandonneriez la mairie du Puy-en-Velay. Vous resteriez quand même député, secrétaire général de l'UMP. C'est quand même des missions qui prennent, je suppose, un peu de temps, au moins parlementaire. On sait qu'il faut être à Paris le mardi, le mercredi. Secrétaire général de l'UMP, ça doit vous prendre facilement une journée par semaine. Il ne reste plus beaucoup de temps pour présider une région aussi grande, avec parfois des temps de transport très loin entre le fond du Cantal et la Haute-Savoie. Et est-ce que vous pourriez être un président à 100%? Ça paraît difficilement envisageable quand on voit Ma priorité, ce sera la région. Et en 2017, si la loi est maintenue et que je dois choisir, je choisirai la région et je serai à temps plein pour la région. Donc ma priorité est très simple. Pourquoi je fais ce choix? Parce que je pense que la politique nationale est en train de mourir avec des élus parisiens qui sont totalement coupés du terrain, qui ne perçoivent plus ce qui se passe dans le pays. Moi, je ne crois pas à ça. Je pense que la politique se renouvellera par le concret. Et donc oui, mon engagement sera un engagement de priorité de région. Mais je vais aller jusqu'au bout. Colomb a été élu par les Lyonnais. Et dans un contexte pas facile pour lui. Il est sénateur. Quelle est l'utilité pour Lyon? C'est que quand il doit aller défendre les dossiers à Paris, il a le poids pour faire entendre la voix de Lyon. Et pour que Lyon ne soit pas oublié et qu'elle passe pas en second rang derrière Paris, ce qui a le don de m'énerver toujours. Jean-Jacques Kern a très longtemps été député, président de région. Il avait donc du poids et donc il a pu faire entendre la voix de la région en Alpes. En tout cas, visiblement, aujourd'hui, il est plus député, c'est ça? Il est plus député depuis 2 ans. D'accord. Ce que je constate, c'est que la région est mal défendue. Vous l'avez vous-même dit, la 45, ça bouge pas. Oui, il n'y a pas forcément une volonté, mais c'est un autre débat. Encore pire, alors. Non seulement il n'y fait pas, mais en plus, on ne veut pas. C'est encore pire. Et donc, oui, il faut être capable de porter le drapeau. Une région comme la nôtre, elle doit être défendue au plan national. On doit se battre pour faire entendre nos intérêts. Et donc, avoir comme président de région quelqu'un qui a aussi un poids politique, c'est important. Parce qu'on doit porter notre drapeau, on doit avoir la fierté de notre territoire. Moi, j'ai pas envie que ce soit Île-de-France qui décide tout le temps pour nous. On peut être la région leader. Et ça, c'est ce que je porterai. Et vos ambitions s'arrêtent à la région ou est-ce que vous pensez aussi à Lyon, à la métropole de Lyon, pour l'avenir? Mais, enfin, pardon, mais cette question n'a pas de sens. Il vient d'avoir des élections. Gérard Collomb est élu, il a un mandat à faire. C'est un mandat de 6 ans. Une chose après l'autre, je m'investis à plein pour la région. Je donnerai tout pour. Je veillerai à ce que Lyon... Donc les politiques ne réfléchissent pas à l'avenir? 6 ans. Croyez pas peut-être que la première chose d'abord, c'est de correctement m'occuper de la région et d'essayer de montrer, d'apporter les preuves? Ça peut être un tremplin. Dans 6 ans, vous demandez, vous prenez n'importe qui dans la rue, vous lui demandez dans 6 ans, vous serez où? Vous-même, vous serez encore là dans 6 ans? Peut-être pas. J'espère. Moi, ce que j'espère surtout, et c'est comme ça que j'ai construit toujours mon parcours, c'est on commence par bien s'occuper de ce pourquoi les gens vous ont fait confiance. Il y a un mandat, faut le faire. Si jamais les gens me font confiance pour la région, j'essaierai de faire mon travail pour la région et j'essaierai de le faire en bonne entente avec la métropole de Lyon. Parce qu'aujourd'hui, il y a des guéguerres entre la région et la métropole de Lyon. Il y a autre chose à faire. Moi, j'ai envie de pouvoir travailler en équipe avec la métropole de Lyon. Et ça, c'est dans l'intérêt de Lyon. Merci beaucoup, Laurent Wauquiez, d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Au revoir.